Coucou les amis, voici la suite des kebabs. Donc, les pigeons de poulet que j'ai lavés et goûtés, bien sûr, lavés avec du citron, du sel. Donc, là, on va mettre une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'épices de poulet ou bien de kebab. L'huile d'olive, j'ai mis pour l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, je vais mettre. Une cuillère à soupe et demie d'herbes de mélange pour salade. Il y a de l'ail, des oignons dedans, du persil. Comme ça, on est tranquille, on n'a pas besoin de rajouter autre chose. La petite cuillère que j'ai rajoutée d'épices, c'est des épices que j'ai mélangées, en fait, que j'ai ramenées du Maroc et que j'ai mélangées ensemble. C'est les épices normales, quoi. Donc, juste rajouter un petit peu. Donc ensuite on mélange un petit peu le tout. On mélange le tout. Bien sûr, on préchauffe votre four, hein, en attendant que vous mélangez les pigeons de poulet. Donc là, ils vont prendre bien. Il faut bien les rouler dans la sauce. Et puis on va prendre un couteau et puis on va un petit peu les piquer pour qu'ils prennent un petit peu. Les épices et puis que la viande soit un petit peu tendre, qu'elle soit pas trop dure quand ils sont cuits. Donc voilà. Et la dernière étape, je vais rajouter du beurre liquide, donc l'équivalent de 4 cuillères, on va dire 4 cuillères à soupe. Donc là, c'est le beurre qu'on utilise pour les crêpes, pour ceux qui y font. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser le beurre que vous avez, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc là, est-ce que c'est bon? À savoir que moi, il y a 3 kilos de pilon de poulet, hein, je précise, pour 3 kilos de pilon de poulet, ce sont les épices que j'ai utilisées. J'ai préparé moi la veille, et puis après, je les ai cuits le lendemain, parce que voilà, j'avais pas le temps, et puis voilà, je suis organisé. Et c'est pour ça que vous voyez ça, mais il ne faut pas en tenir compte. Vous passez tout de suite à l'étape de la cuisson. Cuisson 200 degrés, 45 minutes, et voici le résultat. Il manque la moitié, mais voilà, c'est juste pour vous montrer le résultat. Et puis voilà, likez les amis, à bientôt, merci beaucoup pour votre vue.